Salut à tous, c'est Clément Berthet. Aujourd'hui, je vais vous expliquer donc comment bien s'échauffer en une compétition. Donc, je vais vous partager mon échauffement, tout en sachant qu'il peut être adapté en fonction des besoins, car tout le monde est différent. Donc, moi, en une course, je vais m'échauffer 45 minutes avant le départ. Donc, pour commencer, je fais environ 15 minutes de roulage tranquille, pour vraiment pour décontracter. Ensuite, je fais deux montées en puissance. Donc, pour moi, une montée en puissance, en fait, ce que je fais, c'est que j'essaye de trouver une bosse qui dure environ 2-3 minutes. Et dans cette bosse, donc, je pars du pied donc à très basse intensité, puis ensuite on augmente progressivement l'effort jusqu'au sommet pour arriver au sommet à fond, donc pour vraiment bien débloquer le moteur. Donc deux montées en puissance avec 5 minutes de récupération entre les deux. Et donc, pour finir, environ 15 minutes avant le départ, je fais 4 sprints, donc avec environ 1 minute de récupération entre chaque. Et donc ces sprints, on peut les faire par exemple deux en vélocité puis deux en force pour bien préparer le corps à l'effort du départ. Et voilà, ensuite 10 minutes de retour au calme, tranquille, avant de prendre le départ pour être au top de sa forme.